Voilà, sur ces belles paroles, il est temps de retourner à Cannes pour retrouver Claude Sérillon avec de très beaux invités, Claude. Voilà, dans quelques instants, j'aurai le privilège de rejoindre à la table Gérard Oury, entouré de Michel Morgan, Daniel Thompson, Christopher Thompson et Jean-Paul Belmondo. Hommage à Gérard Oury du Festival de Cannes ce soir. Auparavant, deux instants importants de la compétition cannoise. Une compétition qui est souvent grave, sérieuse, même quelquefois difficile à regarder. On a notamment vu le film français de Cédric Kahn, Roberto Succo, l'histoire de ce gangster, de ce malfaiteur qui a eu une cavale meurtrière sanglante à la fin des années 80. Cédric Kahn a proposé ce Roberto Succo, qui a beaucoup intéressé ce matin la compétition cannoise. Reportage de Marie Jojoin et Patrick Voix. Un inconnu de 26 ans pour interpréter Roberto Succo, le tueur en série italien des années 80. Repéré dans la rue, Stefano Cassetti a été choisi pour donner plus d'intensité au personnage. Je rentre chez les gens pour manger, pour prendre des douches, pour faire l'amour avec les femmes de la maison. Je m'appelle Paul. Ma femme aussi est terroriste. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Roberto Succo avant de commencer le film. Et Cédric, il m'a conseillé de ne pas me documenter sur ça. C'était important de pas réfléchir. Tout est tout pour moi dans ma vie. Roberto Succo, sanguinaire, imprévisible, ennemi public numéro un, amoureux d'une lycéenne qui l'épargnera. Il m'a dit qu'il voulait des vêtements, c'est tout. Vous doutiez donc qu'ils sont des coupables de quelques délits? C'était important pour moi de trouver la bonne distance, c'est-à-dire d'être avec Roberto Succo et de le suivre à la trace comme ça dans ses actions, dans les choses un peu extrêmes. Et puis aussi toujours de donner une référence de réalisme et de montrer ce qu'il a réellement fait pour rappeler aux spectateurs qu'on est face à des faits réels et ne pas qu'il y ait le principe d'identification au personnage. Le film, il est brut et chacun prend ce qu'il veut ou pas. Un film à double détente, romanesque mais aussi documentaire. Et surtout la performance étonnante d'un inconnu au regard magnétique. Laissez-nous passer, je la tue! Laisse-moi dire aussi, laisse-moi dire! Appel de drogue! Impressionnant également le film du réalisateur autrichien Michael Haneke, La pianiste, histoire d'une musicienne d'une névrose terrible, avec une performance tout à fait étonnante d'Isabelle Huppert. Pascal Deschamps et Jean-Louis Molin nous parlent de cette performance d'Isabelle Huppert dans ce film La pianiste. C'est une douloureuse musique des sentiments que joue Isabelle Huppert. Professeur au conservatoire, son personnage Erika a sacrifié sa vie pour réussir sa carrière. Arrêtez. Pendant 2 heures, elle va nous offrir le visage de la détresse pure, celui d'une femme qui s'interdit d'aimer. Revenez au début. C'est quelqu'un qui instinctivement veut aussi faire voler en éclats les schémas habituelle de la domination masculine sur les femmes, et c'est quelqu'un qui entretient une confusion, évidemment, avec tout ça, et qui d'emblée pense que le sentiment amoureux va la rendre dépendante, va faire d'elle une victime, et va la blesser mortellement. Je n'ai pas de sentiment, Walter. Vous feriez bien de vous mettre ça dans la tête, et même si j'en ai un jour, ils ne triompheront jamais de mon intelligence. Il est difficile de traduire par quelques secondes d'extrait la violence du film. S'il provoque, ce n'est pas pour ces images-là, mais pour d'autres. Michael Haneke filme au scalpel les errances d'une femme qui se réfugie la nuit dans les rapports sadomasochistes. J'aurais pu avoir peur de faire le film, à ce moment-là je ne l'aurais pas fait. Si vraiment la peur avait été insurmontable, j'en ai pas eu peur. J'en ai pas eu peur parce que le cinéma étant avant tout affaire de croyance, j'avais décidé d'y croire et de croire en Michael Haneke, et je pensais pas qu'il m'amènerait à la destruction. Loin de là, le réalisateur autrichien a offert à Isabelle Huppert l'un des plus grands rôles de sa carrière. Un rôle qui pourrait bien lui valoir, 23 ans après Violette Nozière, un nouveau prix d'interprétation à Cannes. Voilà, on n'y est pas encore, ce sera dimanche prochain. Pour l'instant, ce soir, le moment d'émotion, moment de vrai bonheur, c'était de retrouver Gérard Oury sur les marches du Palais du Festival. Il était entouré, bien sûr, de sa famille, que vous allez voir autour de moi sur cette place, mais il y avait aussi Smaïm, Boujna et beaucoup d'acteurs qui ont eu le plaisir de jouer avec Gérard Oury sous sa direction. Gérard Oury, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Mais merci peut-être globalement de nous avoir fait tant rire. Alors il y a un peu un paradoxe, c'est que Cannes ne vous avait jamais célébré à ce point-là. Non, c'est vrai. Je n'ai jamais eu de film sélectionné à Cannes. Bon, voilà, et bien vous voyez, tout vient à point qui sait attendre. Vous prenez ça comme une revanche ou comme un clin d'œil de l'histoire? Non,
Moi non, pas une revanche. Je dis tout point, tout arrive, le jour où les choses doivent arriver. Vous savez, il y a deux choses pour moi qui comptent plus que tout au monde, c'est l'amour et l'amitié. Et à cette table, j'ai l'amour et j'ai l'amitié. Je peux vous demander quand même, est-ce que vous avez une recette maintenant à dire, maintenant que vous avez fait tous ces films, une recette, la manière dont vous avez pu faire autant de succès en si peu de films, tout compte fait? Aucune recette. Sinon le frémissement intérieur, ça veut dire tout d'un coup de se dire, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est tel interprète qu'il me faut, il va me rejeter ou il va accepter. C'est une conjonction d'artistes dont le maître d'œuvre est le metteur en scène. Mais il y a plein d'apports d'auteurs, de techniciens. C'est pour ça que quand je vois un film réussi, je me dis, mais tant de gens ont travaillé, ce film est réussi, c'est magnifique, il va demeurer. Peut-être trouvera-t-il, dans les années qui viennent, je le dis toujours, des nouveaux supports qui lui permettront d'exister encore dans X années, d'être un témoignage de l'époque que nous vivons. Alors je vais interroger votre petit-fils, Christopher Thompson. Qu'est-ce que vous avez appris de votre grand-père, vous qui êtes à l'orée d'une carrière ? C'est difficile de dire, c'est difficile de quantifier ça, mais il y a une transmission, mais il y a une transmission qui est comme dans toutes les familles, je crois, mais qui est une transmission qui est essentielle et qui est importante et sur des choses de, moi je l'ai vu travailler, je l'ai vu aimer travailler, adorer ça plus que tout, je crois, et voilà, oui, si je peux dire un truc, c'est vraiment ce bonheur dans le travail que j'ai vu mais chez lui. Vous êtes d'une génération où on fait plutôt des films graves, des films durs, des films lourds, on en voit quelques-uns ici, oui. Alors que vous êtes dans une famille où, alors Dieu sait si on aime rigoler quand même. Rire, oui. Non? Oui, non, mais il y a des gens de ma génération qui font des films drôles, heureusement, et ça c'est... Et il y en aura toujours, je pense que... C'est vrai qu'on est à Cannes, et à Cannes, en général, on voit des films plus sérieux que Rabbi Jacob qui est en train d'être projeté en ce moment, mais bon, ça c'est un petit peu la loi du genre et c'est comme ça, mais c'est vrai que ce soir il y a cette projection et le bonheur que moi j'ai senti dans la salle tout à l'heure avec Rabbi du Jacob. Public quand le générique a démarré, qu'ils ont entendu cette musique que tout le monde connaît, oui, il y a une vraie jouissance des gens qui étaient là. Et on peut le revoir X fois. Ouais. Daniel Thompson, c'est un artisanat familial, le cinéma, l'art d'écrire, de bien écrire et de faire rire et de divertir. Je pense que c'est un mélange, oui, je pense que c'est merveilleux quand on peut se transmettre justement d'abord ce bonheur de travailler dont Christopher parlait, parce que de voir ses parents partir le matin au travail heureux d'aller faire ce qu'ils font, finalement c'est un privilège extraordinaire, et puis de leur donner envie, donc j'imagine, de faire la même chose. Moi c'est ce que j'ai ressenti avec mon père, et pourtant quand on est enfant d'acteur, on connaît aussi les difficultés. C'est un métier curieux, c'est un métier d'attente, etc. Mais réellement, il était drôle ou il était sévère avec vous? Oh mon Dieu, il était vraiment un père, c'est-à-dire que j'ai toujours vu quelqu'un qui adorait rire, ça c'est certain. Il y avait de l'humour, il y avait un ton dans la famille qui a toujours été un ton d'humour, qui était le sien, celui de ma grand-mère, celui de ma mère. Mais il y avait une sorte de limite, on parle toujours des limites qu'on donne aux enfants maintenant. Il y avait une éducation, il y avait une notion de l'importance du travail et de gagner sa vie et de faire un métier, d'apprendre des choses. Ça, c'était tout à coup autre chose, c'était très strict. Michel Morgan, pourquoi n'avez-vous jamais fait de comédie vraiment un petit peu folle? Non. Comme Gérard Rie, il vous a jamais proposé? Non, mais j'ai tourné avec Gérard, j'ai tourné plusieurs fois, j'ai tourné tout à fait à ses débuts de metteur en scène. Un film à sketch dans lequel il y avait ce sketch, mais c'était un sketch dramatique. Et je crois que c'est dans ce film à sketch que Gérard a fait tourner De Funès dans un petit rôle. Et c'est De Funès qui lui a dit, mais pourquoi ne fais-tu pas des films comiques? Et voilà, moi j'étais dans le premier film qui était un film dramatique. Et après, Gérard a fait des films comiques, et je ne me vois pas très bien en faisant... Sapritch. En faisant Sapritch dans La Folie des Grandeurs. Non. Quand tu viens, tu as préféré finalement vivre avec Michel Morgan et faire des films comiques avec De Funès. Ah oui, vous trouvez que c'est mieux. Oui, vivre avec De Funès.
Vous diriez de Gérard Oury, c'est effectivement, comme l'expression que j'utilisais, un artisan du cinéma, quelqu'un qui peaufine beaucoup son travail, beaucoup, ou c'est un anxieux, C'est tout à la fois. Ah ça bon? Dépend des moments, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que c'est à la fois. Un artisan, il a beaucoup d'humour, et il a le don de l'observation, donc il fait un mélange savant d'humour, de précision et de travail, surtout. Jean-Paul Belmondo, vous êtes passé de Godard à Oury, de Melville à Broca. Et alors comment on s'y retrouve, notamment quand on travaille avec Gérard Oury, qui vous propose quand même des choses difficiles, drôles, où il faut avoir une énergie, un tonus incroyable? Mais vous savez, d'abord, je crois que c'est une chance de pouvoir avoir joué avec Godard et avec Gérard Oury. Mais pour vous dire la vérité, moi, quand j'ai voulu être acteur, c'était le comique qui m'attirait. Quand j'étais au conservatoire, je n'ai travaillé que des rôles comiques, tout le temps. Et c'est Godard qui, avec un bout de souffle, m'a entraîné dans un autre genre de cinéma et de rôle. Mais mon départ, moi, mon rêve, c'était de jouer des vaudevilles, quoi, voilà. Ouais. Alors le cerveau, c'est formidable. Voilà, quand j'ai rencontré Gérard, j'étais fou de joie de tourner avec lui, parce que c'était un cinéma que faisait Gérard, que j'adorais. Et il m'a donné un personnage formidable et la joie de jouer aussi avec Bourville. Avec Bourville, oui. Et en plus, Gérard, je dois dire, il était acteur. Donc, vous savez, les acteurs aiment bien les acteurs. Et comme Gérard est ici, alors, il vous dirigeait comment? Il vous laissait libre d'inventer des choses ou il était très directif, vous obligeait à non, tenir non, le Non, vous savez, il y a une bonne chose. Déjà, il vous met dans des bonnes situations. Je pense que la meilleure direction d'acteur, c'est de mettre l'acteur dans une bonne situation et avec un beau rôle, ce qu'il m'avait donné. Et évidemment, il dirige très très bien, mais c'est pas un dictateur, il vous fait ça travailler à l'intonation. Quand on a un pur sang, on ne donne pas des grands coups d'éperon dans le ventre, on le dirige avec... Il faut se faire léger sur le pur sang, sur le cheval, lui donner une espèce de caresse. C'est vrai qu'on ne vous imagine pas dictateur, quand même. Non, c'est pas ça. Non, il sait juste dire ce qu'il faut, je crois que c'est bien. C'est pas nécessaire. Alors, Gérard, oui, ça passe très vite dans un journal, mais on voulait absolument vous rendre hommage ce soir. Je voudrais que vous me disiez ce que vous avez envie de transmettre et quelle serait, par exemple, la leçon que vous tirez de vos années cinéma. Travail. Hein, une bonne histoire, plus une bonne histoire, plus une bonne histoire. C'est Gabin qui disait ça, et c'est la vérité, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de cinéma. Il y a plein de cinéastes dans le monde qui font des choses différentes. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, si j'avais quelque chose, un conseil à donner aux jeunes, c'est une bonne histoire, plus une bonne histoire, plus une bonne histoire. C'est pas moi qui l'ai inventé. Merci beaucoup d'être venu autour de cette table. Et puis l'hommage du Festival de Cannes à Gérard Oury a été salué par énormément de gens ce soir. Merci de nous avoir beaucoup fait rire et beaucoup divertir. Voilà Benoît pour cette édition spéciale en direct de Cannes. Merci.